La séance est ouverte. Bonsoir à toutes et à tous. Secrétaire de séance. Eh ben voilà, Virginie Pierre qui arrive, qui va être secrétaire de séance. Le quorum est atteint, ça, il n'y a pas de souci. Alors, le petit dossier. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'elle est ? Et là-bas. Alors, justement, j'allais citer les... Alors déjà, je vous rappelle de bien remplir la feuille de présence et bien signer la feuille d'émargement. Alors, avec des pouvoirs ce soir de Nathalie Santon-Ardoin à Lucie Gauthier, de Bénédicte Pen à Frédéric Doisy, de Carole Montagne à Stéphanie Allais, de Julien Seyer à Patrice Bayou, de Jean-Michel Minot à Claudette Turc. C'est tout. J'ai comme pouvoir. Ah ben, attends, faut que je note... Et le dernier, Madame Santon-Ardoin. Oui, c'est Nathalie Santon-Ardoin à Lucie Gauthier. Voilà. Ça, je vais passer ça. Ça nous fait combien de... attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5 pouvoirs. Ce qui fait 5 pouvoirs. Sur 30. 3. Hop là. Vous êtes procès, vous signez. Voilà. Il y a une... délibération, si vous en êtes d'accord, on aura une délibération en fin de conseil pour le service enfance-jeunesse. Il s'agit de la création d'un emploi d'adjoint d'animation contractuelle pour accroissement temporaire d'activité. Donc on vous la passera en fin de conseil. Il n'y a pas d'opposition à ça. Je vous remercie. Voilà, je la mets à la fin. Et... nous allons donc commencer par les questions des habitants au conseil municipal. Alors la personne dont je n'avais pas le nom la dernière fois s'appelle Madame Christine Ferté. Et oh. Madame, Monsieur, je viens poser ma question. Quand pensez-vous refaire la route du collège de Beaufort, cordialement ? Alors la route du collège de Beaufort, c'est pas précisé laquelle c'est, on peut supposer que c'est la rue Charles de Gaulle, mais ça peut être aussi la rue de la Tannerie, et ça peut être aussi la rue du Moulin et la rue des Zéros. Alors la rue des Zéros, vous savez qu'il va y avoir de toute façon de mis en place avec le travail de Julien et de la commission de Marie-Christine Bougeot de essayer de ralentir la vitesse sur cette voie et de mieux protéger les cyclistes. Bon, en ce qui concerne la rue Charles de Gaulle, c'est vrai qu'elle est cabossée, c'est vrai qu'on l'a peinte aussi en chaussidou, mais alors on va interroger les entreprises pour savoir ce qu'on pourrait faire à minima, sachant que quand les chantiers Montbaume vont démarrer, c'est une route qui va quand même subir pas mal de trafic. Et donc, on va voir ce qu'ils vont nous conseiller. Parce que on ne va pas la refaire non plus trop souvent. Mais vu la durée, enfin, on va s'adresser à eux et on va laisser les professions. C'est bizarre, c'est pas trop fort le son là, réglé comme ça. Parce que ça sonne. Il y a des interférences, ouais. Donc on laissera les entreprises nous proposer des,
des solutions, notamment celle avec laquelle on travaille actuellement, EPHAGE. On va voir s'ils ne peuvent pas nous donner quelques conseils utiles là-dessus. Ensuite, il y avait la question, ce que je vous ai lu, un beau pays, une belle région, une belle ville, c'était Madame Maudet, troisième ville du département au XIXe siècle. Ces hommes et ces femmes sont savoirs de la culture et des cultures traditionnelles, du chanvre notamment. Ne pourrions-nous pas mettre ce savoir aux besoins indispensables à notre santé, la nourriture, la construction et l'hygiène de notre ville, le savoir-faire de nos agriculteurs locaux, le savoir-faire de nos artisans traditionnels à travers les siècles peuvent encore nous surprendre pour construire demain une plus belle ville, un sujet de société, un sujet complexe pour notre conseil municipal, bien réfléchir pour construire notre ville demain. C'était signé Madame Baudet. Alors, en ce qui concerne la question numéro 1 ce soir, elle est envoyée par Monsieur Clément Chrétien. Je souhaiterais soumettre une question au conseil municipal. J'habite 10 rue du Moulin, à côté de l'assurance AXA. Je constate que hors vacances scolaires, la circulation dans la rue est importante, surtout le matin et le soir, à partir de 16h30. Les horaires coïncident avec les horaires d'école. Des parents sans doute pressés ou en retard roulent à vive allure dans ces tranches horaires. La rue est limitée à 50 km/h. Cependant, beaucoup d'usagers roulent au-delà de cette limitation, ce qui rend la situation dangereuse car beaucoup d'enfants empruntent cette rue à vélo ou à pied. Mon neveu a manqué de se faire renverser plus d'une fois en voulant traverser des places de parking attribuées à AXA jusqu'à chez moi en face. Je pense donc qu'un ralentisseur au niveau de l'assurance ferait du bien et limiterait ainsi la vitesse, ou bien passer cette rue à 30 au lieu de 50. De plus, créer un parking pour l'assurance serait plaisant. Cela éviterait que les clients de l'assurance se garent chez moi. Quand c'est le cas, je ne peux pas me garer pour rentrer chez moi. Cordialement, Monsieur Clément Chrétien. Ça, il a déjà été question des problèmes de vitesse. 50 km/h, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des vitesses supérieures à ça. 50 km/h quand il y a des vélos, ça fait beaucoup. On a évoqué il n'y a pas si longtemps que ça la possibilité éventuelle de mettre, pourquoi pas, quand on en a parlé pour la rue des Héros, à mettre toute l'agglomération à 30 à l'heure. Il y a des endroits, ce sera long. Mais pour ça, pour que ce soit crédible, il faut qu'on puisse faire des contrôles. Et pour l'instant, alors on peut mettre les radars pédagogiques, ça c'est une chose, on peut en installer et le laisser suffisamment longtemps pour que les gens se rendent compte qu'ils peuvent rouler un peu trop vite. Maintenant, tant qu'on ne fera pas des contrôles, et puis en même temps faire des contrôles de vitesse. Bon, donc... moi, je veux bien, mais ce jour-là, on verra. Enfin, je pense qu'on ira vers ça. Question numéro 2, Madame Emmanuelle Hainaut. Alors, elle est des Bois d'Anjou. Elle habite aujourd'hui les Bois d'Anjou, mais elle va habiter Beaufort. Donc c'est pour ça qu'on lui lit quand même sa question. Elle est au Bois d'Anjou en attendant d'habiter Beaufort. Bonjour, je vous écris pour vous solliciter pour mettre en place des bornes Clink. Cela consiste à trier nos bouteilles de verre et être récompensé. Je vous laisse le lien ci-dessous pour voir des explications. Alors, c'est vrai que ça existe, mais il y a des magasins qui font ça à leur enseigne aussi et qui expliquent aux clients que ça leur permet de vendre après des emballages à partir de plastique recyclé, refondu et tout. C'est une façon d'avoir encore un peu plus de collecte. Donc, on peut interpeller les enseignes chez nous, ça viendra. Quant à nous, savoir s'il existe des... On verra on demandera à la Comcom s'il existe des possibilités de machines publiques. En fait, la récompense, c'est quand on met des bouteilles, on a des points ou autres qui concernent le magasin, quoi. Voilà. Quand c'est le magasin qui la pose. Nous, après, c'est compliqué de savoir où va aller l'argent. Voilà. Question numéro 3, Elisabeth Branger, Allée des Sables.
Je suis riveraine des locaux du chanvre. J'ai cru comprendre que la mairie a acheté ces locaux au début de l'année 2021. Or, je constate depuis plusieurs semaines qu'il y a toujours une activité qui génère beaucoup de bruit tôt le matin à tard le soir. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Je précise que cette activité semble être la même que les années passées. L'entreprise du chanvre serait donc toujours là, alors qu'elle n'est plus propriétaire. Quand ces locaux seront libres et ne généreront-ils plus de nuisances ? Par ailleurs, la commune a-t-elle passé un bail avec cette entreprise et combien cela rapporte-t-il ? Je vous remercie de votre réponse. Alors, ben là c'est très simple, effectivement, et c'est très bien, elle est très observatrice, Madame Branger, parce que ce sont les mêmes bruits, parce que c'est la même usine, c'est les mêmes gens qui travaillent dedans, et qui font le même, enfin, et qui font le même travail, puisque le chanvre, la coopérative de chanvre, et c'était prévu dans la vente, ils sont aujourd'hui occupants non propriétaires, et c'était inclus dans le prix de vente. Ils sont là jusque début mars 2022. Ils sont là jusque mars 2022. Donc, alors ensuite, de toute façon, quand les locaux seront libres, effectivement, ça, on n'entendra pas les mêmes bruits. Par ailleurs, la commune, donc j'ai répondu, elle n'a pas passé un bail avec l'entreprise. On a acheté avec. Nous, on sera propriétaire occupant à partir du mars 2022. Voilà. Alors, j'en profite pour vous dire que Frédéric Doisy vous enverra des propositions de dates pour visiter le chanvre. La visite, on compte, allez, trois quarts d'heure, une heure grand maximum, pour ceux qui ne savent pas combien de temps ça peut durer. Mais je souhaiterais que chaque conseiller municipal, chaque conseillère municipale soit allé au moins une fois visiter le chanvre, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, donc pour que chacun voit bien ce qu'il en est. Voilà. Donc ça, on va vous proposer des dates. Bon. Je pense qu'est-ce qui... C'est quand même pas ça. Voilà. Alors, le premier point de l'ordre du jour ce soir. Ah oui, l'adoption du procès-verbal de la séance précédente, du 12 juillet. C'est quoi ? Bah, le téléphone, ça ne l'a jamais fait. Peut-être la montre, mais c'est pareil, la montre, ça ne l'a jamais fait. Connecté à quoi ? Wi-Fi ? Bon, alors, c'est peut-être le volume du son quand même aussi. Non ? De toute façon, on va voir. Mais ah, mais là, si je baisse là, comme ça. Hein, bon, on va voir. Sur lui et sur ceux, la molette ne tourne pas bien là. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des observations sur le PV du 12 juillet ? Non ? Bon, donc il est adopté. Alors, les décisions que j'ai prises par délégation du conseil municipal. Alors, il s'agit de travaux de maintenance annuelle préventive des toitures terrasses à l'école de la Vallée, de la salle omnisport Les Esquisseaux, du gymnase de la Tannerie et de la bibliothèque municipale.
vous avez les coordonnées de l'entreprise, et pour un montant de 1 974 € hors taxes par an. Réalisation d'un contrat de location d'un appartement en colocation et une autre réalisation d'un contrat de location d'un studio meublé. Ça, j'en profite pour dire que ça fonctionne très bien et que il faudra qu'on trouve le moyen d'augmenter encore ces chambres, ces studios ou chambres meublées, parce que ça aide beaucoup les gens à trouver du travail sur place. Et les entreprises sont très demandeuses de ça. Alors, premier point de ce soir, la démission d'un conseiller municipal. Il s'agit de l'installation de M. Bertrand Hédin. Oui, qui est là-bas. Et dont à la suite de la démission de Rémi Godard, Madame Floriane Goyer devenait conseillère municipale, et en fonction de, pour des raisons personnelles et professionnelles, elle n'a pas pu assumer ce poste, donc elle a démissionné, et de fait, Monsieur Bertrand Hédin est installé en qualité de conseiller municipal, et je lui souhaite la bienvenue en votre nom à tous. Bienvenue au club. Il s'agit de la délibération pour la détermination du poste d'adjoint, point numéro 2. Je rappelle que le nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal et qu'en vertu du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Et ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 9 adjoints que je vous propose de ne pas changer. Et c'est pourquoi je vous ai proposé de conserver ce nombre. Est-ce qu'il y a des avis contraires à ce nombre d'adjoints ? Abstention ? Alors il y a 7 abstentions. Élection du premier adjoint au maire suite à une démission. Donc là, il s'agit de procéder à bulletin secret à l'élection du premier adjoint. Et je vous propose de désigner et d'élire en premier adjoint Patrice Bayou. Je veux savoir s'il y a d'autres candidatures. Monsieur Alain Dosias. Alors on va procéder au scrutin. Vous avez des bulletins sur le bureau. Ceux qui ont un pouvoir, vous mettez vous mettez deux enveloppes dans l'urne. Ah oui. Alors, en assesseur, je vous propose de nommer, de désigner Amélie Ménard et Bertrand Hédin, parce que ce sont les deux plus jeunes de l'Assemblée. D'ailleurs, maintenant, le plus jeune de l'Assemblée, c'est Bertrand Hédin. Et je vous propose de venir nous rejoindre là. Et puis, en secrétaire du scrutin, je vous propose Claudette Turc. Tout le monde est d'accord ?
Une turque est prête. Vas-y, prends ton micro. Alors... Bertrand Hédin. Je sais pas. Il est où lui? Non, je ne le trouve pas. Il n'est pas sur la liste. Eh bien, tu dois avoir Rémi. Non. Il n'y a pas Rémi. Non, non, il n'est pas joué, c'est la même. 33. Bertrand. Oui, Hédin. Non, mais c'est Bertrand Hédin. C'est Bertrand, okay. Vous ne trouvez pas. Ah, je ne trouvais pas Bertrand. Mon pauvre. A voté. Madame Turque. Madame Turque. C'est bon, votez. Elle t'a pas voté. Elle t'a pas voté. Peut-être que vous votez, oui. Ah, je suis concentrée. Une. Et votre pour... Voilà. Et mon Minot Jean-Michel. C'est bon. Monsieur Leget. Monsieur Leget. Il est là. Oh. C'est bon. Madame Bougereau. Madame Bougereau. C'est bon. Madame Doisy. Madame Doisy. Et un pouvoir. Et un pouvoir. Madame Penn. Madame Penn. Ok. Monsieur Seyé. C'est bon. Monsieur Doineau. Oui. Monsieur Oulafé. Oui. Monsieur Vandel. Oui. Monsieur Palou. Ok, oui. 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 Madame Montagne. Oui. Madame Pierre. C'est Madame Pierre. Madame Pierre. Madame Pierre. Oui. Oui. Monsieur Martino. Oui. Oui. Madame Bosque. Oui. Madame Chausquet. Oui. Madame Allé. Oui. Et Madame Montagne. Ok. Madame Bernier. Oui. Monsieur Dosias. Oui. Madame Lenoir. Oui. Monsieur Gauthier. Oui. Donc Madame Gauthier. Oui. Madame Santon-Armoin. Oui. Oui. T'es pas là, lui. T'es trop.
Oui. 32 bulletins. Enfin, non, 32 enveloppes. Oui, bah 32 enveloppes, le compte est bon, puisqu'il y a Philippe Tessereau qui est absent et sans pouvoir. Patrice Bayou. On fait un sur deux. Ouais, ça me va. Patrice Bayou. 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 Alain Dosias. Alain Dosias. Patrice Bayou. Alain Dosias. Patrice Bayou. Alain Dosias. Patrice Bayou. Alain Dosias. Patrice Bayou. Un bulletin barré. Patrice Bayou. Patrice Bayou. Julien Seyé. Bayou Patrice. Patrice Bayou. 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 Alain Dosias. Et Alain Dosias. On les empile peut-être par... Tu veux les compiler hein? Je pense qu'ils en font après. Mais... Donc il y a un bulletin déclaré nul, zéro blanc, donc 32 exprimés, pardon. 31 exprimés, c'est bien ce que... Oui. Monsieur Bayou, 23 voix. Monsieur Dosias, 7 voix. 7 voix. Monsieur Seyé, 1 voix. 1 voix. Donc, Patrice Bayou est donc élu premier adjoint. On serait douté que Virginie aurait dit quelque chose. Non, bah, simplement, bah, je vous remercie de votre confiance et puis on va essayer de bien travailler ensemble. Bien encore. Voilà. Pour partir. Encore, oui, exact. Merci.
Alors, nous allons procéder à l'élection du 7e adjoint. Et pour ce, je vous propose d'élire Jean-Jacques Falour, qui ne sera donc plus conseiller délégué et qui trouve un poste d'adjoint bien normal, étant vice-président de la communauté de communes. C'est mieux que pour Beaufort, on ait deux vice-présidents qui soient adjoints. Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Pas d'autres candidats. Alors, donc. Nos assesseurs sont déjà repartis. Oui, ils sont partis remplir leur Donc, ceux qui ont un pouvoir, c'est deux enveloppes. Bon. C'est bon, on doit être prêt. Je suis prêt. Alors, on peut y aller. Voilà. Madame Ménard. OK. Monsieur Hédin. Oui. Monsieur Degourdeau. Oui. Madame Turc. Oui. Alors, monsieur. Et monsieur Minou. Monsieur Minou. C'est ça. Voilà. À voter. Monsieur Leger. Oui. Madame Bougeot. Oui. Madame Doisy. Oui. Madame Payne. Madame Payne. Oui. Oui. Et monsieur Sévier. Oui. Monsieur Bruno. Oui. Monsieur Oui. Monsieur Vandel. Oui. Monsieur Palou. Oui. 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 Madame Ali. Oui. Madame Charles Moutin. C'est pas grave. Mais je le vois pas. Là. Ah ben voilà. Oui. Madame Bernier. Oui. Monsieur Dosias. Oui. Oui. Monsieur Bourdi. Oui. Madame Gauthier. Oui. Madame Santon-Armois. Oui. Madame Mélian. Oui.
32 enveloppes. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Bulletin blanc. Jean-Jacques Falour. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Bulletin blanc. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Jean-Jacques Falour. Bulletin blanc. Jean-Jacques Falour. Bulletin blanc. Jean-Jacques Falour. Bulletin blanc. Jean-Jacques Falour. Un nul avec un trait dessus. Jean-Jacques Falour. 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 Alain Dosias. Trois voix pour Monsieur Falour, un nul, sept blancs et une voix pour Monsieur Dosias. Donc Jean-Jacques Falour est élu septième adjoint. Félicitations. Tu veux dire un mot ? Écoutez, je vous remercie de votre confiance et puis je continuerai à travailler pour la collectivité, bien sûr, et plus particulièrement dans l'urbanisme. Oui, chaque adjoint gardant ses compétences. La commission municipale permanente des finances de septembre... Donc, il faut revoir la composition... Ah pardon, oui, d'abord, avant tout, l'article, enfin disons le point 5, il s'agit de la suppression du poste de conseiller délégué. Je vous propose de rapporter à 9 le nombre de conseillers délégués. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Abstention ? Alors, ça fait donc 4 et 3, 7 abstentions. Voilà. Alors, le point 6, il s'agit de la composition de la commission des finances. Monsieur Tougaudeau ? Oui. Oui, j'ai une question. Ah oui. Oui, vous avez dit que chaque adjoint gardait ses fonctions, le premier et le nouveau septième.
Donc les fonctions de M. Bayou, ça reste le sport ? Les fonctions de M. Bayou, ça reste la vie associative et le sport. Ah, oui. En ce qui concerne les ressources humaines, c'est moi qui les reprends. Et en ce qui concerne les finances, je reprends tout ce qui est budgétaire. Et Claudette Turc prendra tout ce qui est comptabilité. C'est juste ça qui change. D'accord. Voilà. Merci. Et avec Didier Leger en deuxième relais, comme c'était avant déjà. Il n'y a rien qui change. C'est ça. Oui, oui. Et Jean-Claude Doineau s'occupera des bordereaux qui concernent les services techniques. Dans le partage des finances. Voilà. Alors, en ce qui concerne la composition de la commission des finances, donc le tableau se présente en ce qui concerne la liste Beaufort en Anjou avec vous. Pour les deux autres listes, ça ne change pas. Et en ce qui concerne notre liste, eh bien, il y a donc maintenant Patrice Bayou, Claudette Turc, Didier Leger, Marie-Christine Bougeot, Julien Seyé, Frédéric Doisy, Jean-Jacques Falour, Bénédicte Penn, Jean-Claude Doineau et Bertrand Hédin. Ce qui permet de ne rien toucher à l'équilibre des autres commissions. Et Bertrand Hédin est intéressé pour participer à la commission des finances. Voilà. Question ? Oui. Marie-Vonne Maignan, ça veut dire que M. Hédin intègre les commissions, les autres commissions, lesquelles ? Bah, il n'intègre pas d'autres commissions. Les autres commissions, ben, je ne sais pas, il y a d'autres commissions quand même. Ben, non, il ne les intègre pas justement, puisque M. Godard n'était pas dans les autres commissions. Donc il ne participe à aucune autre commission ? Ben, non, mais... si, il participe à une grosse commission, c'est la commission des finances. D'accord, ben, c'était ce que, la question. Donc ça lui permet même de regarder, je dirais, dans tous les domaines qui l'intéressent. Mais c'est... C'est ça où il fallait qu'on remanie toutes les commissions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires à cette abstention ? Six abstentions. Donc, pas d'avis contraire. OK. Le reste, c'est positif. Merci. La commission locale d'évaluation des charges de transfert, la CLECT, il s'agit de désigner un membre suite à la démission du premier adjoint. Et le membre que je vous propose de désigner, il s'agit de Madame Claudette Turc. Jean-Jacques Falour étant déjà dans la CLECT. Et bien au fait, et puis ça fait donc deux conseillers communautaires dans la CLECT, ce qui est très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Six abstentions. Alors, désignation des représentants titulaires et suppléants pour siéger à Alter Public. Je vous propose de désigner Jean-Jacques Falour en représentant suppléant en cas d'empêchement aux commissions des marchés. Et comme le travail d'Alter Public touche évidemment l'urbanisme de très près, je vous propose de désigner Jean-Jacques Falour pour remplacer Rémi Godard. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Six abstentions.
Ajustement du tableau des indemnités de fonction du maire, des adjoints, conseillers municipaux délégués ainsi que des conseillers municipaux. Il n'y a rien qui change, si ce n'est que le total des indemnités aux élus passe de 109 625,52 € à 108 911,40 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, ensuite, nous avons décision modificative numéro 2 du budget principal. Je vous propose de prendre connaissance de la décision budgétaire modificative à envisager pour le budget principal 2021. En section d'investissement, les frais d'études techniques solidité pour la surveillance à l'école du château, 5 200 €. Je laisserai tout à l'heure Didier Leger vous en dire un petit mot. Des travaux confiés au syndicat d'électricité d'énergie du Maine-et-Loire, éclairage secteur des Halles, 7 000 €. La climatisation des locaux de gendarmerie, 3 200 €. L'acquisition d'une tondeuse au service technique, 30 000 €. L'acquisition d'abris aux jardins familiaux, 5 000 €. Ces sommes sont compensées par le crédit de dépenses imprévu de 40 250 € et le crédit de dépenses informatiques, logiciel matériel, moins élevé que prévu, de 10 150 €. Avez-vous des... Alors, avant de passer aux questions, Didier Leger va nous dire deux mots sur... parce qu'on n'a pas encore complètement, hein, ça va venir, les résultats. Oui, donc juste pour vous dire que le bureau d'études a fait son rapport, vient de nous le communiquer, on l'a eu aujourd'hui, donc bon, c'est quand même un rapport assez important, et donc du coup, on a fait une lecture très très rapide. Il préconise préconise pour sécuriser le bâtiment de faire de l'injection de résine en long green et donc dans les fondations et de façon à renforcer, et pour eux, une fois ceci fait, ça devrait stabiliser le bâtiment de façon pérenne. Voilà. Donc ils ont fait quelques estimations, bon, j'ai pas eu le temps de regarder en détail, mais je reviendrai vers vous très rapidement pour vous donner tous ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations, Monsieur Dozias? Oui, simplement, les travaux ils doivent être faits dans l'urgence ou pas, ou c'est... Oh, a priori, non. Dans l'a priori, non. Hein. Ils disent qu'il n'y a pas péril dans la demeure. En plus, bon, il y a les étais qui ont été mis, et fait, vu ce que vous avez mis, ça bouge, c'est clair que c'est bon là pour l'instant. Maintenant, bon, faut quand même renforcer les fondations et voilà, ne pas plus s'inquiéter, mais il faut faire les travaux quand même. Pas d'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires à la décision modificative numéro 2? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Le point 11, il s'agit de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. Jean-Jacques Falour. Donc, c'est pour reprendre une délibération concernant la redevance pour le réseau public de distribution de gaz. Donc, la dernière délibération avait été prise en 2016 et GRDF nous a demandé d'en reprendre une autre, enfin de reprendre, c'est quasiment la même, hein, mais de l'actualiser. C'est une actualisation. Donc, vous avez une formule, c'est 0,035 € multiplié par la longueur de canalisation, auquel on ajoute un terme fixe de 100 € avec un coefficient de revalorisation. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse RODP s'élève à 1 481 € pour 2021.
Donc voilà, c'est délibération purement administrative. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. La redevance, le point 12, c'est la redevance d'occupation provisoire du domaine public des communes par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. C'est, je crois, à peu près la même chose. C'est, il n'y a que le mot provisoire qui est en plus, ça concerne les éléments pour l'année en cours. Voilà. Et donc là, vous avez toujours le même montant multiplié par une longueur et il n'y a pas de terme fixe. Voilà. Même vote que précédemment. Bon, je vous remercie. Comment ? J'ai oublié de préciser que ça avait rapporté 78 euros. Là. Eh bien, c'est pas négligeable. Enfin, c'est pas rien, quoi. Le point numéro 13, vente de parcelles AY166 et AY167, maison rue des Tisserands. Jean-Jacques ? Donc, ces parcelles avaient été acquises par la collectivité pour assurer l'avenir quant à l'aménagement du projet de résidence senior, et plus particulièrement l'accès à cette opération. Cependant, l'avancement du projet d'aménagement a permis de préciser la desserte de l'opération, et les parcelles AY166 et 167 ne représentent plus d'opportunités pour la collectivité. Suite à la mise en vente de ces parcelles depuis quelques années, une offre a été formulée au prix de 50 000 euros le 11 juillet dernier. L'estimation des domaines était également de 50 000 euros. Donc je vous propose donc la vente de ce bien au prix offert, qui a déjà fait l'objet de négociations, parce que la première proposition était inférieure à ce montant-là. Des questions, observations ? Voilà, vous voyez, c'est la maison qui donne sur la rue et la parcelle, c'est ça les deux parcelles, la maison qui donne sur la rue et le petit bout de jardin derrière. Voilà. Oui, monsieur Kondosias, on se souvient du prix d'acquisition? Il faudrait le retrouver, mais je crois que c'est de cet ordre-là. C'est du même montant. Ou peut-être un petit peu en dessous. Enfin, c'est dans les mêmes eaux. Mais on pourra vous le préciser, monsieur Dozias. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires à cette délibération? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors, le point 14, il s'agit de la création d'un emploi de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet. Suite au départ d'un agent au service population, je souhaite réorganiser le service en ayant confié l'encadrement à un responsable à temps complet. Pour information, je rappelle qu'actuellement, l'agent responsable du service population occupe également les fonctions d'assistant de la directrice générale des services. Et ça lui fait un gros travail. Aussi, afin de permettre à cet agent de pouvoir se consacrer pleinement à ses fonctions d'assistant de la DGS, d'une part, et d'avoir au service population un responsable basé à proximité des agents de ce service, à proximité et au sein des agents de ce service. D'autre part, je propose de créer un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps complet. Y a-t-il des observations ou des questions? Oui. Oui, à ce propos, le 27 juillet 2020, au Conseil municipal, il avait été dit qu'en septembre, il serait fourni un organigramme des agents. Voilà, donc je voulais savoir où ça en était. Au dernier trimestre, il a dit. Et comme me dit... Là, on attend que les agents arrivent et voir comment ça fonctionne pour ne pas... on aurait sorti l'organigramme plus tôt, il y aurait déjà eu des changements dedans. Donc là, il va sortir. Je crois me souvenir qu'en juillet, Mme Beuchet, vous avez dit plutôt octobre-novembre. Au mois de juillet, il avait été dit que ça serait fait en septembre. Bon, bah... 2020. Je parle de 2020. Ah oui, non mais on en a reparlé depuis. On en a reparlé depuis. Moi, je privilégie l'organigramme fonctionnel. Alors, plus que l'organigramme hiérarchique,
Alors pour s'y retrouver, il faut déjà bien prendre la mesure de tout ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, en fonction des départs, arranger, enfin, disons, à réagencer l'organisation. Et là, on va arriver au bout. Et je vous rappelle que Mme Bochet est là que depuis le mois de février. Donc, non, c'est une demande d'agent aussi. Hein. C'est pour ça. En commission, il y a des agents qui sont exprimés. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça qu'on passe ça en comité technique pour longtemps. Et j'ai aussi pris la décision de faire des comités techniques plus fréquents. Parce que je trouve que ce n'est pas assez fréquent et ça ne nous permet pas aux élus de voir. Je pense que des comités techniques qui dureront moins longtemps, mais qu'on fera plus fréquemment, ça permettra d'avoir un meilleur contact avec les agents. Qui peuvent parfois même pas se libérer une matinée entière, donc on fera plutôt des comités techniques d'une heure, une heure et un quart, mais pratiquement, quasiment une fois par mois, on fera ça, s'il le faut. Ou toutes les cinq semaines, on verra, mais on va intensifier le nombre de réunions CT. Je dirais pour rester en contact. Alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires à la création de cet emploi? Pas d'avis contraires. Abstention? Il n'y en a pas non plus, je vous remercie. Service scolaire, modification de la durée hebdomadaire d'un emploi. Alors là, il s'agit d'un agent du service scolaire a souhaité une diminution de sa durée hebdomadaire à 7,35e. Ce souhait est motivé par une cessation progressive d'activité auprès de l'EGEC, son employeur principal, et ce, en vue de son futur départ à la retraite. Voilà. Je suppose qu'il n'y a pas d'avis contraire. Je vous remercie. Pas d'abstention non plus. Non. Le point 16, il s'agit du service des espaces verts, de la création d'un emploi d'adjoint technique principal deuxième classe et d'un emploi d'adjoint de maîtrise permettant de recruter le référent de l'équipe. Et c'est Jean-Claude Doineau qui rapporte. Alors l'agent de maîtrise qui encadrait le service des espaces verts a été muté à la ville de Nantes. Les formalités pour recruter un agent disposant du même niveau de compétences techniques ont été menées à bien. Monsieur le maire a recruté un adjoint technique principal de deuxième classe, lauréat du concours d'agent de maîtrise. Statutairement, les choses doivent être menées de la manière suivante. L'agent mutera son grade d'origine d'adjoint technique principal deuxième classe. Aucun emploi à ce grade n'étant vacant au tableau des effectifs. Il faut en créer un. Il sera détaché pour son stage sur un emploi d'agent de maîtrise. Aucun emploi de ce grade n'étant vacant au tableau des effectifs, il faut en créer un. À l'issue du stage, si celui-ci est concluant, l'agent sera nommé titulaire au grade d'agent de maîtrise. À défaut, il sera réintégré au grade d'adjoint technique principal de deuxième classe. Il est donc nécessaire de créer deux emplois pour un seul agent. À la fin de la procédure décrite ci-dessus, l'emploi qui restera non utilisé pourra être supprimé. Avez-vous des questions à poser, Madame Ménard? Je crois que j'ai compris un petit peu le fonctionnement, enfin comment ça se passait, mais ce qui me surprend, c'est que vous dites que la personne qui est partie donc, était agent de maîtrise, mais qu'il faut malgré tout créer un emploi d'agent de maîtrise. C'est ça que je ne saisis pas bien. Non, mais en fait, ce poste, si vous voulez, a été attribué à une autre personne. Et aujourd'hui, on est obligé de recréer un poste. D'accord, je comprends mieux. Merci. C'était une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Il n'y a pas d'avis contraire à cette création, à ces deux créations? Pas d'abstention, je vous remercie. La culture, animation de la ville, création de 3 emplois contractuels pour besoins occasionnels. Je vais donner la parole à Frédéric Doisy, puisqu'elle a le pouvoir de Bénédicte. Donc c'est tout simplement une délibération pour le recrutement de 3 emplois contractuels pour les manifestations organisées par la ville. Donc ce serait du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2020. Après, c'est pour une durée maximum de 6 heures dans la journée. Enfin, bon, ça sera en fonction des besoins. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie.
Alors, le point 18, Covid-19, contrat de projet, adaptation des missions. Je passe la parole à Jean-Claude Doineau. Alors, par délibération du 21 juin 2021, le conseil municipal a créé 3 emplois en contrat de projet pour faire face aux besoins de nettoyage des locaux générés par les contraintes sanitaires. L'équipe nettoyage des locaux articule traditionnellement son activité avec celle du service scolaire. Des agents de l'équipe de nettoyage interviennent en effet aux heures de pointe, la restauration. À cette rentrée, marquée à la fois par les contraintes sanitaires et la semaine de 4 jours, les deux services nettoyage locaux et scolaires ont examiné comment répondre du mieux à leurs besoins respectifs, sans augmenter les contrats de faible volume, horaire et sans surcoût. La bonne solution est que les 3 agents en contrat de projet interviennent en restauration scolaire et qu'à l'inverse, les agents du scolaire contribuent à la propreté des locaux, ce qui fera bien sûr l'objet d'une délibération séparée. Pour la bonne forme, les contrats de projet relevant d'un cadre juridique particulier, je vous propose de délibérer dans ce sens. Cette précision sur les missions est sans incidence sur la rémunération des agents concernés et donc sur le budget. Il vous appartient d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Je voudrais au passage quand même saluer aussi le travail que font les équipes de nettoyage, justement, sanitaire. Parce qu'ils ne sont pas toujours gâtés par l'état des locaux qu'ils trouvent. Le point 19, il s'agit toujours de la propreté des locaux, création de 2 emplois contractuels à temps non complet. Jean-Claude. Oui, alors par délibération séparée de ce jour, vous avez décidé de préciser les missions de 3 agents en contrat de projet en leur permettant d'intervenir en milieu scolaire. Sur cette délibération, il est dit qu'à l'inverse des agents du service scolaire interviendront au sein des services de propreté des locaux. 2 agents contractuels à temps non complet peuvent ainsi voir leurs heures augmenter. Il est nécessaire de délibérer. Leur contrat actuel repose sur la délibération spécifique au service scolaire. Ce qui représente un volume hebdomadaire pour chacun de 15 heures. Voilà. Et il vous appartient d'en délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, observations non plus. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Il n'y en a pas. Abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Le point numéro 20, il s'agit de l'annulation de la subvention communale en 2021 à l'association Famille Rurale pour la gestion de la halte garderie des Guéminous. Didier Leger. Alors, je reviens vers vous là par rapport à la subvention des Guéminous. Le 14 décembre 2020, on a voté la subvention. Une subvention de 52 520 euros pour l'année 2021. Au cours du conseil du 21 juin, on vous a demandé de revoter une nouvelle subvention car dans le nouveau contrat de la convention territoriale globale, la partie de la CAF est versée directement aux Guéminous, chose que vous avez accepté, et donc du coup on devait verser une subvention de 25 034,02, mais la CAF a versé directement les sommes dues pour l'année 2020 et elle l'a versé aussi directement aux Guéminous, c'est-à-dire une somme de 27 486. Donc du coup, après discussion avec les Guéminous, du coup, ils nous ont demandé d'annuler carrément, parce qu'ils ont trop perçu, parce que nous, on avait bien versé les 54 986. Donc, ils nous ont demandé d'annuler carrément la subvention de cette année. Et puis, on fera un rattrapage sur 2022, parce qu'on avait voté une subvention à 25 000 pour cette année.
Et eux, ils ont touché un surcoût de 27 485. Donc, il y aura un rattrapage encore en 2022. Voilà, ça, c'est la CAF qui, du coup, a changé son mode de versement et, du coup, a versé 2020 et 2021 à Gaminot directement, au lieu d'en verser une partie à la commune. Donc, pour rattraper tout ça, on vous demande d'annuler cette subvention qui était prévue. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais... Avez-vous des questions, des observations, une demande de précision? Non. Donc c'est très très clair. Est-ce qu'il y a des avis contraires à cette annulation? Les abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Alors là, vous avez une série. Je vais vous demander d'approbation de nouveaux règlements, mais c'est dans le sens de... Il y a des règlements qui ont été mis au point et tout. Didier Leger va vous préciser ça brièvement. Pour l'ensemble des règlements, puisque de 21 à 28, on a des modifications de règlements. Et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Et Didier Leger va vous faire un résumé global. On présente tous les dossiers en même temps, mais on votera un par un, de toute façon. Voilà. Vous avez le règlement intérieur des restaurants, le règlement intérieur des accueils périscolaires matin et soir de Beaufort-en-Anjou, l'accueil du loisir de mercredi et vacances scolaires de Beaufort-en-Anjou, l'approbation du nouveau règlement intérieur du Capado et l'approbation du nouveau règlement intérieur du ticket sport, du pôle séjour, du cap découverte de Beaufort-en-Anjou et du ticket fun. Et après, on passera à autre chose, mais ce sera encore Didier Leger. Voilà. Donc là, avec la modification des rythmes scolaires et du coup, comment le passage à 4 jours, forcément, toutes nos structures, les horaires ont bougé de différentes façons. Pareil pour l'accueil de loisirs, ticket sport et tout. Donc, du coup, il fallait mettre à jour nos règlements qui précisent, entre autres, les horaires, qui précisent toutes les modalités. Et voilà, c'est juste une remise à jour des règlements intérieurs. Après, si vous avez des questions plus particulières, on en a profité pour rappeler aussi les modes de paiement, de règlement, qu'on peut se faire prélever si les gens le veulent. Ça simplifie pas mal de choses aussi, et puis ça fait quelque chose, on n'oublie pas les factures. Voilà. Donc on a rappelé tout ça, c'est juste une remise à jour des règlements. Alors, allons-y pour les questions. Il n'y a pas de questions ? Bon, écoutez, merci pour votre confiance. Ça a été travaillé en commission, ça aussi. Oui. Ouais. Alors, on va procéder une par une quand même. Approbation du nouveau règlement intérieur des restaurants scolaires de Beaufort-en-Anjou. Avis contraire, il n'y en a pas. Abstention, il n'y en a pas. Approbation du nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires matin et soir de Beaufort-en-Anjou. Avis contraire, il n'y en a pas. Abstention, il n'y en a pas. Merci. Le point 23, approbation du nouveau règlement intérieur de l'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires de Beaufort-en-Anjou. Avis contraire, abstention, il est adopté. Point 24, approbation du nouveau règlement intérieur du Capado. Avis contraire. Abstention. Il est adopté aussi. Approbation du nouveau règlement intérieur du ticket sport. Avis contraire. Abstention. Je vous remercie. Le point 26, approbation du nouveau règlement intérieur du pôle séjour. Avis contraire. Abstention. Il n'y en a pas. Je vous remercie. Approbation du règlement intérieur du cap découverte de Beaufort-en-Anjou. Approbation, avis contraire, abstention. Donc il est approuvé, merci. Et le point 28, approbation du règlement intérieur du ticket fun. Est-ce qu'il y a des avis contraires ?
Les abstentions, il n'y en a pas. Je vous remercie. Eh bien, merci pour votre rapidité. Le point 29 maintenant. Projet éducatif de territoire et le plan mercredi. Didier Leger. Alors là, c'est pareil, hein, on a notre PEDT, le plan éducatif de territoire, qui regroupe, hein, toutes les activités et tous les grands axes que la collectivité porte envers les jeunes. Et donc, du coup, forcément, avec ce passage à 4 jours, et puis, du coup, le plan mercredi qui a été mis en place avec les accueils de loisirs et le cap découverte, ben, il fallait réinscrire tout ça dedans. Et donc, en fait, on a remis à jour donc, le PEDT, en gardant, bien entendu, toujours nos valeurs inscrites dans ce document, qui sont le vivre ensemble, la réussite, la participation, le développement durable. Voilà, c'est des choses qui sont un peu le fil conducteur de notre PEDT. Et donc, voilà, on a juste remis à jour par rapport à toutes les nouvelles données. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des observations sur le projet éducatif de territoire et puis le plan mercredi? Alors, Marie-Bonne Meignan. Quand ce PEDT a été élaboré pour la première fois en 2019, il avait été à la base envisagé de faire un travail avec les associations, puisque il regroupe tout l'aspect éducatif des enfants et des jeunes. Alors, est-ce que là, revoyant ce PEDT, l'adaptant à cette fameuse semaine de 4 jours, est-ce qu'il y a eu un travail de fait avec les associations, et est-ce que les associations commencent à l'intégrer dans leur projet? Alors, pour l'instant, on a remis à jour le PEDT. On n'est pas revenu, parce qu'en ce moment, on est un peu bousculé quand même au service jeunesse, et on n'est pas revenu vers les associations. Mais il est clair que oui, comme c'est dit, ce PEDT a un vrai intérêt que tout le monde se l'approprie, tous les acteurs de l'enfance jeunesse, donc les associations. Mais il faut qu'on aille le porter aussi aux associations, de façon à ce qu'ils en aient vraiment la connaissance. Sauf que je suis, pour certaines, ils le connaissent, d'autres le connaissent moins, et de voir comment on peut vraiment continuer de travailler ensemble et avec les mêmes objectifs. Amélie Ménard. Juste pour rappel, je voudrais juste signaler que le PEDT, justement, il a été, me semble-t-il, rédigé, travaillé avec tout un groupe de personnes, avec tous les acteurs éducatifs. Il y avait des enseignants, des directeurs d'école, il y avait aussi des représentants d'associations, en effet. Et puis, c'était mené par les Franca, par une association autre. Et puis, bien sûr, la mairie était aussi représentée, évidemment. On dit qu'on ajoute, qu'on intègre le plan mercredi, mais ce plan mercredi, comment a-t-il été fait? Je ne pense pas qu'il y ait eu autant de recul et autant de concertation que pour le PEDT. Donc, voilà, je trouve ça un petit peu regrettable. Oui, ce que vous disiez, ça avait été porté par tout un groupe de travail, complètement et tout. Là, c'est vrai que comment on n'a pas remobilisé tout le monde pour retravailler sur ce plan mercredi, d'autant plus que les temps impartis étaient assez contraints. On est resté sur des bases, on a travaillé avec la commission. On vous l'a proposé en conseil municipal. Du coup, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, il n'a pas été vu avec toutes les associations, tout le monde, mais il y a quand même toute la commission qui ont travaillé dessus. Et donc, du coup, après, il y a toujours des moments où il va falloir qu'on trouve des moments d'échange aussi avec tous ces partenaires et certainement les regrouper, voir comment on peut, parce qu'un PEDT il doit vivre aussi, il doit évoluer en fonction des différentes problématiques ou différentes tendances. Et donc du coup, il est clair qu'il va falloir qu'on se rapproche aussi à un moment de tout le monde et certainement refaire des réunions de groupes de travail de façon à échanger de comment on peut faire évoluer les choses.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Juste parler d'un sens de ce que disait Didier. Quand on parle de projet, à un moment donné, il faut avoir du recul. Et à un moment donné, un projet, ça s'évalue, mais il ne s'évalue pas tout de suite. Donc l'intérêt, c'est de voir un peu les fruits que ça porte ou pas, voir un peu les problématiques, et puis de se rencontrer, effectivement, d'ici quelques temps, pour refaire un point et améliorer ce qui pourrait éventuellement ne pas trop marcher. C'est une bonne remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres observations? Oui, madame Marion Mignon. Alors, pour compléter ce que vient de dire Philippe, je suis d'accord pour l'évaluation, mais encore faut-il que ces objectifs soient aussi de vrais objectifs des associations et de tous les partenaires. Pour évaluer, il faut que ce soit inscrit aussi dans les projets. Donc là, moi, je pense que là, ce n'est pas encore inscrit parce que ça n'a pas été suffisamment travaillé, je pense, avec les associations. Parce qu'il y a des objectifs bien précis. Quand on parle de réussite, qu'est-ce que les assos mettent derrière la réussite, le développement durable, dans tous les objectifs qui sont annoncés, on ne pourra pas les évaluer tant qu'ils ne sont pas, partie intégrante des projets des associations, entre autres. Bah, de toute façon, ces objectifs, ces grandes lignes, ces grandes valeurs, elles ont été inscrites et suite aux différents groupes de travail qu'on avait pu avoir et avec les gens qui ont participé. Alors oui, il n'y avait pas forcément toutes les associations, on est bien d'accord, mais tout le groupe qui a mis ses valeurs en avant. Et donc du coup, il y a quand même un certain nombre de personnes qui les connaissent maintenant, oui, voir avec eux comment on les met en place, qu'est-ce qui est possible de faire, parce que chaque association est différente, chaque activité est différente, et en fonction de l'activité, qu'est-ce qu'on peut s'approprier le plus, en essayant de porter quand même les quatre grandes, mais... forcément, en fonction des activités, il y en a qui sont plus adaptés que d'autres. Voilà. Ouais, tout ça, ça va monter en régime. Est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres questions? Alors, donc, est-ce qu'il y a... Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a, pour ce rapport, des avis contraires? Un avis contraire. Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Eh bien, je vous remercie. En ce qui concerne le point numéro 30, il s'agit d'une convention d'objectifs et de financement avec la CAF de Maine-et-Loire. Didier Leger. Alors, là, pareil, hein, c'est parce que la CAF songe ses dispositifs de subvention. Donc, avant, on avait les contrats jeunesse. Maintenant, avec la CTG, la Convention territoriale globale, c'est des nouveaux systèmes de financement. Pour l'instant, la CAF s'engage à nous maintenir les subventions qu'on avait à hauteur de ce qu'on avait avant, parce qu'on est sur une formule quand même transitoire. Et donc, du coup, là, il faut malgré tout quand même signer une convention de bonus territoire avec la CAF pour pouvoir toucher ces sommes en attendant qu'on revienne vers vous d'ici 2022, parce que pour vraiment signer, du coup, la nouvelle convention, la CTG, convention territoriale globale, qui intégrera différents financements de la CAF, et surtout une grande partie de la jeunesse et une partie du social aussi, qui englobe tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Le point 31, il s'agit de l'entente Valais désignation des élus pour siéger dans les groupes de travail thématiques. Et je vous propose à la commission jeunesse de désigner Didier Leger et Thierry Belmont, et à la commission culture Claudette Turc et Jean-Michel Minot.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient être candidats? Alors. Je veux juste prendre la parole, en fait, parce que Nathalie n'étant pas là, il faut quand même que je parle pour elle. Il avait été dit en commission culture du mois de mars dernier que enfin, voilà, sa candidature avait été posée. Elle s'était proposée pour justement faire partie de cette commission culture, de ces groupes de travail à l'Entente-Vallée. Et les membres de la commission avaient validé sa demande. Donc voilà, je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui, quoi. De quelle commission ? Commission culture. Alors, vas-y, réponds. Effectivement, elle s'était proposée pour être candidate, mais ça n'avait pas été validé par la commission. Elle s'était juste proposée pour être candidate. C'était écrit dans le compte-rendu de commission que c'était validé. Et puis, monsieur Nozias, vous vouliez dire quelque chose ? Non, c'était ça. C'était ça. Ben, vous savez quoi ? Proposition validée par les autres membres de la commission. Ouais, et ben moi, je vais demander à l'entente de faire une exception. Pour la bonne raison que. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais qu'on ait droit à 3 représentants. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a dans les autres communes, notamment 2 autres. Il n'y a pas d'opposition dans le conseil municipal. Nous, on en a une, donc c'est normal, c'est pas anormal qu'elle soit représentée, mais pas au détriment non plus de la majorité par rapport aux autres communes. C'est ça que je veux dire. Mmh. Donc, si vous en êtes d'accord, on va prendre en compte, là, et on va demander à ce que Nathalie Santon-Ardouin soit en 3e membre dans la commission culture. Si, moi, je pense que ça me paraît bien et plus équitable. Oui, oui, ce serait une bonne idée. Voilà. D'accord là-dessus ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse pareil au niveau commission jeunesse ? Je vois Monsieur Baudry qui bouillonne, qui a plein d'idées là. Bouillonne pas, je dis oui. Bon, mais c'est vous qui voulez ? Moi que tu veux. Non, je vais. Ok, c'est moi. Ok. Bon, eh ben on va leur proposer ça. Voilà. Bon, donc, est-ce qu'il y a des avis contraires à cette proposition ? Commission jeunesse, Didier Leger, Thierry Belmont, Benoît Baudry, commission culture, Claudette Turc, Jean-Michel Minon, Nathalie Santon-Ardouin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Il n'y en a pas. Abstention ? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Et on va proposer ça. Le service enfance-jeunesse, ça c'est le point 32 que je vous ai proposé tout à l'heure. Création d'un emploi d'adjoint d'animation contractuelle pour accroissement temporaire d'activité. Et c'est Didier Leger. Je vous informe d'un besoin temporaire de l'ordre d'une année, de temps que les choses puissent se stabiliser sur le service jeunesse scolaire. 2 départs d'agents entraînent un surcroît d'activité pour les agents restants. D'une part, un agent a pris une disponibilité, d'autre part, un agent voit ses fonctions s'interrompre. Cela intervient dans un contexte de réorganisation de services scolaires, semaine de 4 jours, déménagement des activités jeunesse au forum, ainsi qu'une forte fréquentation des services proposés aux familles. Pour faire face à ce surcroît d'activité, je vous propose de recruter un agent contractuel pour une durée d'un an. Avez-vous des observations, des explications ? Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Il n'y en a pas. Abstention ? Il n'y en a pas. Ben, je vous remercie. Alors, on en a fini pour l'ordre du jour du Conseil. J'ai quelques informations à vous donner, notamment en ce qui concerne l'agenda. Donc le prochain conseil municipal sera le 15 décembre, il était prévu le 2 novembre, 15 novembre, pardon, il était prévu le 2 novembre, mais c'est juste le lendemain et en plein milieu des fin de la Toussaint. Donc le
On a pensé au 8 d'abord, mais le 8, c'était un peu trop près compte tenu des vacances des uns et des autres à cette époque-là pour préparer le travail. Donc ce sera le 15 novembre et j'aurai l'occasion de vous présenter les agents qui auront intégré la collectivité. Celui d'après sera bien le mardi 14 décembre. Pourquoi nous faisons le mardi? Parce que le lundi, il y a le conseil de Beauger et on a un risque après de ne pas avoir de journalistes ce jour-là. Et j'en profiterai pour vous donner ma vision de l'avenir de Beaufort à ce conseil-là. Alors, ensuite... Alors, à partir du 1er octobre, les règles dérogatoires qui étaient liées au contexte sanitaire ne seront plus applicables. Lieu, quorum, procuration, principe. Le conseil municipal devrait, à partir de cette date, délibérer à la mairie. Cependant, compte tenu du contexte sanitaire, je vous propose de continuer de délibérer à la salle des Plantagenêts, ici même, jusqu'au 31 décembre, pour qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Le recensement de la population aura lieu du jeudi 20 janvier au 19 février 2022. Alors j'ai quelques informations diverses. J'en profite pour signaler que grâce aux excellents arguments des élus, des parents d'élèves et de l'équipe enseignante, le directeur académique des services de l'éducation nationale a confirmé le maintien des 9 classes à l'école de la Vallée. Je salue là-dessus le travail de Didier Leger et de sa commission. Pour valoriser le tissu associatif sportif local et accompagner nos 24 clubs sportifs en recherche d'adhérents, une vidéo promotionnelle a été réalisée par la ville, avec presque 6000 vues sur la page Facebook de la ville. Donc là, je remercie Julien Seyé, Patrice Bayou et sa commission. Et un nouveau système d'éclairage LED a été installé à la salle de tennis des Esquisseaux. Je salue Jean-Claude Douaneau et les services techniques. Et puis, 40% d'économies devraient être réalisées grâce au remplacement des 28 lumineurs, soit l'équivalent de la consommation de 2 pavillons répondant à la réglementation thermique 2012. Tout le mois d'octobre, Beaufort en Anjou... grâce à la dynamique de Bénédicte Penn et sa commission, et de Frédéric Doisy et de sa commission, et de Julien Seyé pour la com, avec Magali Baudier. Beaufort en Anjou sera mobilisé contre le cancer du sein avec Octobre Rose. Et je vous invite dès maintenant à réserver la date du 3 octobre pour la marche solidaire de 5 km. Un programme a été déposé sur votre table. Le magazine de la ville d'automne est en cours d'impression. Il sera distribué cette fin de semaine dans les boîtes aux lettres. Et là, moi, je salue le travail de Magali Baudier pour ce gros, gros travail à chaque fois. La semaine escale, je vais passer la parole à Frédéric Doisy pour les plus de 60 ans. C'est l'édition 2021 du 11 au 16 octobre. Frédéric ? Alors, effectivement, c'est pour les plus de 60 ans parce que nous avons des financements de la conférence des financeurs, mais nous associons aussi les jeunes du collège et autres jeunes. Donc, on va dire qu'il y a une mixité de public. Donc, effectivement, c'est la 5e édition. Il y aura donc du 11 au 16. Elle va se situer sur toutes les communes de l'Entente. Il faut penser qu'à l'origine, c'était la commune de Beaufort qui a créé cette association, enfin cette animation, et depuis les autres communes ont souhaité s'adjoindre à notre semaine, et voilà, tout va se passer sur toutes les communes sans restriction. Voilà, très varié comme d'habitude, ce sont des moments de convivialité, de découverte, donc ça sera aussi bien sur le culturel, le sportif et autres. Et dans cette semaine escale, il y aura la conférence dans le cadre de Octobre Rose, une conférence sur le cancer du sein. Donc je souhaite que beaucoup de personnes viennent à cette conférence. Merci. C'est vrai que les inscriptions devaient se faire à partir du 20 septembre au centre social. Je ne sais pas trop là ce que ça va donner les inscriptions pour escale. Étant donné la situation sanitaire du centre social actuellement.
En tout cas, il y aura des on pourra s'inscrire sur les marchés aussi, comme on avait fait les autres années. Et puis, bon, par téléphone et autres, ça sera possible. Ouais. Donc là, il va y avoir à réfléchir là-dessus. Pas de souci. Et puis, je vais passer la parole pour l'itinéraire bis du 2 octobre au 12 novembre à Claudette Turc. Oui, comme vous l'avez sur votre table, vous avez le programme d'itinéraire bis pour les médiathèques et les bibliothèques, avec tout le programme d'animation pour la Minitré, Beaufort en Anjou, les Bois d'Anjou, Mazé, et toutes les horaires. Et voilà, ça, c'était fait par l'Entente Vallée. Bon, on a travaillé un peu cet été. C'est vrai que j'ai pas réuni la commission culture régulièrement comme auparavant. Bon, c'est vrai que le départ de Céline a un petit peu perturbé les programmations, mais bon, tout ça c'est assuré, il n'y a vraiment aucun problème. Par contre, très bientôt, vous allez avoir une convocation pour la commission culture. Voilà. Je suis désolée de ce retard. Mais tout fonctionne. Hier, c'était les journées du patrimoine, donc on a eu... On les a préparés avec Manon Belay, comme d'habitude. Et au musée, il y a eu 400 visiteurs. Il y avait un spectacle de musique un peu imaginaire. Enfin bon, c'était sympa. Et là, on a eu 160 personnes. La démonstration de l'orgue, c'est pareil. Marc Englebert a été mobilisé tout l'après-midi avec les jeunes familles, les touristes, et voilà. Et le diaporama à l'église que Manon Belay a fait a intéressé beaucoup de gens. Ça a été surtout ciblé sur les travaux qu'on fait, sur l'historique de l'église et les travaux qui sont en cours, pour démontrer aux habitants et voilà, la manière dont est faite la restauration de l'église qui nous est si chère dans les deux termes. Voilà. Donc... Et puis dans le cadre de Solaire en Anjou, le syndicat des énergies de Maine-et-Loire, en partenariat avec la communauté de communes Beaujois-Vallée, accompagne les habitants du territoire dans leur réflexion d'installation de panneaux solaires, avec des animations et démonstrations mercredi matin 22 septembre, c'est pas dans pas longtemps, c'est mercredi matin, sur le marché Place Jeanne de Laval, après-demain. Informations et conseils les 28 octobre et 9 décembre à France Service, au forum rue de Lorraine. Voilà. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez... Non. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui. Thierry Belmont. Concernant le Conseil municipal des jeunes, donc deux informations. Une première, c'est que les jeunes ont réfléchi et souhaité imaginer un événement sportif. Et donc, comme il n'y avait pas de course organisée pour les jeunes, on a trouvé intéressant de s'associer à... au SVA pour un événement du coup le 3 octobre. Et donc il y aura une boucle de 506 mètres. Alors 506 mètres, si on l'a fait 4 fois, on est sur 2024 mètres. Et donc une boucle qui sera proposée dans les marais à côté du à l'endroit où il y a le feu d'artifice habituellement, mais on va communiquer là-dessus très vite. Voilà, et puis la deuxième information concerne les élections, soit au niveau des écoles ou du collège. Et donc là aussi, il y a une vidéo qui vient d'être mise en ligne aujourd'hui pour expliquer un petit peu, et on va voir si des candidatures se révèlent prochainement. Voilà. Je suppose que 2024, c'est pour les Jeux Olympiques. Exactement. Bien. Voilà, c'est avec le label Terre de Jeux, du coup, ça va faire une des actions au niveau de la ville. Bien, écoutez, moi je vous remercie pour votre attention et puis votre compréhension dans le suivi des dossiers. Bien, il est 20h37 et un conseil municipal avec 32 points. Et voilà. Et ben, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et vous dis à bientôt.